Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 31 mai 2021. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Peut-être que vous regarderez cette vidéo aujourd'hui encore. Donc, si vous la regardez ce dimanche, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête des mamans à vous toutes qui avez été mamans, hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 31 mai 2021? Donc, nous serons influencés par la Lune et par le chiffre 4. 4 qui nous parle quand même des blocages, hein. Mais bon, on va voir ça après. Oh là! Il y en a trop, dommage. Il y avait une belle carte. 2, 4, 6, 7. Bah non! Ah non, 8. Bah, elle s'est cachée. Bon, c'est pas grave, on va la garder quand même. Allez! Bon, allez, on est parti. Donc, j'ai lu pas mal de vos commentaires. Et il y avait des commentaires extrêmement un peu... de gens peut-être en colère, hein, qui disaient, mais de quel droit ces cons peuvent, gérer la vie des autres. Alors, je vais vous expliquer une situation. Enfin, je vais vous expliquer. On est tous outillés de quelque chose dans nos vies. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai une autorité... naturel, enfin, je peux être quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Je me sers de cet outil, de cette faculté que j'ai, de cette autorité un peu naturelle, pour pouvoir autour de moi faire le bien, c'est-à-dire obtenir ce que chacun doit obtenir. Je m'en sers pas pour être un tyran. Mais vous avez des gens qui se servent naturellement de ces outils-là, bah, pour tyranniser un peu les gens, hein. Donc on peut avoir cette situation. Quand on apprend à s'aimer plus qu'on aime les autres, du coup, on ne se laisse plus embarquer, tyranniser, manipuler par les autres. D'accord? Et puis, il y a certaines personnes qui n'ont pas appris à s'aimer et qui doivent faire un chemin pour apprendre à s'aimer. Et tant qu'elles ne s'aiment pas, eh ben, on se laisse assez manipuler par les autres. Les autres peuvent assez décider à notre place. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que si on ne va pas dans leur sens, si on ne les écoute pas, si on ne les suit pas, on ne va pas être aimé. Mais tout ça parce que comme on n'a pas appris à s'aimer soi-même, on ne se rend pas compte de la belle personne qu'on est. Et on a toujours l'impression qu'il n'y a personne qui va nous aimer. Alors quand on n'a pas été aimé, et surtout pendant l'enfance, on cherche à tout prix cet amour et à la place de le chercher à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de s'aimer d'abord et puis après les bonnes personnes arrivent, on essaye de trouver l'amour des autres. Et quand on vibre cet amour, donc quand on vibre ce manque d'amour, il y a souvent des gens qui arrivent à nous et qui se rendent compte qu'en fait, ils peuvent nous faire faire tout et n'importe quoi. On a tellement peur de ne pas être une belle personne, de ne pas être aimé, de pas qu'ils arrivent facilement à nous manipuler. Donc, oui, c'est des cons, oui, on a tous des droits, oui, on a tous des droits et des devoirs. Ça, c'est certain. Mais on n'est pas tous outillés, on n'a pas tous la bonne perception pour pouvoir se défendre face à cette difficulté-là, d'accord? Donc, ne jugez pas, aidez, mais ne jugez pas, d'accord? C'est important de ne pas juger parce que moi, je sais par exemple que je n'aime pas être jugée, donc je ne juge pas les autres. C'est pas parce que moi, j'ai de la force que tout le monde doit en avoir. C'est pas parce que moi, je suis bienveillante que tout le monde est bienveillant, etc., 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 d'accord? Ne pensez pas que ce que vous vous infligez à vous-même, ce que vous obligez, ou la bienveillance que vous voulez donner aux autres, tout le monde l'aura pour vous. Non. Mais restez dans votre authenticité, restez bienveillant parce que moi, ça m'apporte énormément quand je vois que les gens se sentent bien, sont heureux par l'aide que je peux leur apporter, la bienveillance, rien que de l'amour ou distribuer un peu de temps, un peu de tendresse. Je me nourris en fait du fait qu'ils se sentent bien, d'accord? Donc, restez bienveillant. Si en face de vous, vous avez des gens qui ne sont pas bienveillants, bah, laissez-les pour ce qu'ils sont. Laissez-les porter ce qu'ils ont apporté. D'accord. Allez, on y va. Donc, lundi nous parle de la Lune. Bien sûr, la Lune nous parle de la sensibilité, nous parle des émotions, hein. N'oubliez pas que lundi, on fait nos demandes à la Lune. Pour tous ceux qui ont fait leur petite liste pour cette super Lune du 26 mai, lundi, n'oubliez pas de réitérer, donc demain, en vous levant, vous vous réveillez tranquillement et vous réitérez, je laisse ma liste à la Lune, je me libère De tout ce qui ne va pas dans ma vie, hein, pour tout ce que vous avez mis, je ne porte plus en fait. C'est pour éviter de porter, donc on a un peu enterré tout ce que l'on pouvait porter
au niveau de nos blocages, tout ce que l'on pouvait porter, qui nous avait choqué dans notre enfance ou des mémoires passées, hein. Donc toutes les mémoires bloquantes, toutes les mémoires qui revenaient à nous, on les a posées sur un papier. Et donc demain matin, quand vous vous levez, vous dites, je laisse ma liste, je laisse mes mémoires à la lune, je ne les porte plus, je me libère. Essayez de dire un truc un peu comme ça. Il y en a qui aiment bien qu'on fasse les incantations mot pour mot. Moi, je pense que non. Parce que quand on les sort avec nos mots, elles ont plus de portée, on les vibre plus et du coup, on peut mieux se libérer. Qu'une incantation qui est donnée, bien sûr, elle est un peu magique. Mais chacun des pas, chacun des mots que vous faites est magique. D'accord? Faut-il encore vous faire confiance et vous dire que vous aurez les bons mots? Vous allez pouvoir vous libérer par les mots que vous sortirez les vôtres. Et le numéro 4, donc nous parle de blocage et de restriction pour du côté négatif. Ce qui est positif, ben, on va dire que ce sur lequel vous allez aboutir, hein, dans les prochains jours demande plus d'efforts en chiffre 4, mais sont plus longs dans le temps, donc durent plus longtemps. Allez, on est parti? On est parti pour les énergies. Alors, on nous parle d'un départ, on nous parle d'un mouvement, peut-être envie d'un petit voyage, peut-être préparer des petites vacances pour cet été, pourquoi pas, peut-être pas trop loin de chez soi si on ne sait pas encore pour le corona, hein, peut-être. Peut-être envisager un petit week-end, peut-être envisager d'aller prendre l'air. En tout cas, on décide de faire de la route ou on s'y prépare. Peut-être qu'on le prépare ou alors on va y aller. Hein. C'est peut-être le moment de partir. Alors là, on me parle de discussion, on me parle peut-être de discussion houleuse ou alors de dispute peut-être. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec les personnes pour aller à tel ou tel endroit. Peut-être que vous devez bouger, peut-être que vous devez partir et laisser des personnes derrière vous. Peut-être que vous devez partir tout un week-end en laissant vos familles, votre chérie ou je ne sais. Et du coup, peut-être que ça peut créer un petit peu de conflit. C'est possible. Je réfléchis, hein. Ou alors, vous prenez la route pour aller voir quelqu'un avec qui vous êtes disputé. C'est possible aussi. Il y en a beaucoup qui prennent la route pour aller à la campagne, pour aller se ressourcer, hein. Mais peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord. Ou peut-être que c'est vous, hein, qui vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Bon, vous vous disputez avec vous-même. Donc ça, c'est quand même moins grave. Enfin non, c'est plus grave. Parce que du coup, on a plus de mal à se mettre d'accord avec soi-même qu'avec les autres. C'est compliqué, hein. Et il y a une réussite. Donc, si vous faites un petit mouvement pour aller à la campagne, si vous faites un petit mouvement pour souffler un petit peu, on vous dit que c'est une réussite. Il y aura peut-être des discussions, il y aura peut-être des disputes, mais de toute façon, sur ces disputes, sur ces discussions un peu houleuses, il y a une réussite. Hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent même déménager ou partir pour un nouveau travail. Peut-être qu'il y en a qui veulent partir travailler à la campagne. Peut-être qu'il y en a qui veulent quitter leur travail pour travailler de la maison. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça amène des petites discussions. Mais oh, on vous dit que c'est votre bonheur. Alors, que vous vouliez partir de votre travail pour travailler à la maison, que vous vouliez partir de votre domicile, aller vous aménager ailleurs pour un nouveau travail, pour déménager simplement, si vous voulez partir en week-end, si vous voulez partir en vacances, peu importe, allez-y. Non seulement c'est une réussite, mais ça vous apporte le bonheur. Donc on vous dit vraiment de vous écouter, hein, pour demain. On vous dit que dans cette situation, les choses n'avançaient pas et il y a eu, ça a pris beaucoup de retard. Ouais, il y a quelque chose qui n'avançait pas dans vos vies, qui a pris du temps, qui a été long, mais il y a un mouvement. Je vous dis, ça peut être professionnel, ça peut être familial. C'est quelque chose qui a créé un conflit, hein, dans votre famille ou un conflit intérieur. Eh ben, on verra bien. Allez, quels sont les messages? Hop. Alors, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce 31 mai 2021? Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je suis vachement plus en forme.
J'ai eu un petit coup le lendemain de la pleine lune où j'étais un peu fatiguée. Mais je vous ai dit, hein, je prends un peu plus soin de moi. Je mange différemment. J'ai même pris, je fais une petite cure détox avec du concombre, du citron et du gingembre que je laisse macérer toute une nuit, donc dans 2 litres d'eau. Et je bois ça toute la journée. Et franchement, je pense que ça m'aide énormément à retrouver la pêche, la forme. Je me sens de mieux en mieux. C'est bizarre quand même, hein. Mais bon, c'est chouette et ça fait du bien. J'avoue, je retrouve un peu d'énergie. Donc si vous êtes un peu trac, vous manquez d'énergie, même je vous disais, j'avais des problèmes d'articulation au bras et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, je fais un petit peu plus d'exercice physique. Alors, pas trop, c'est surtout des mouvements que je fais. 30 tous les matins. Et puis, bah, c'est peut-être ça. Je suis en train de remuscler tout doucement et ça fait du bien. Mais quoi qu'il en soit, il est temps de prendre soin de soi. Ah, et ça rime. Allez, on y va. Donc, il y a la projection. Donc, des choses. Enfin, il y a des questionnements. Ça peut aller avec ça, hein. Il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur, hein, sur qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous voulez y aller. Mais on nous parle d'un compromis, hein, vers l'étranger. Il y a possiblement une envie de changement, une envie d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, des choses différentes, de sortir de sa zone de confort, hein. Et on vous dit que on trouve un compromis, hein, face aux nouvelles choses, hein, qui arrivent vers nous, hein. Eh ben, franchement, tant mieux. Tant mieux parce que sortir de sa zone de confort, ça veut aussi dire ne plus se laisser. Comment je pourrais dire? Ne plus se laisser guider par la sécurité, mais se laisser guider par ce que veut son cœur. Et ça amène, bah, plus de bonheur. Et puis, surtout quand on sort un peu de sa zone de confort, ça nous permet d'accueillir plus facilement les cadeaux de la vie. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 31 mai 2021? Hop là. Allez, hop. C'est pas possible. Bon, il y a de la communication. Il y a une communication. Il y a une communication. Il y a une communication d'une personne assez âgée qui amène de l'abondance, de l'argent. Pour moi, ça peut être une communication ou simplement se laisser guider. Parce que cette personne-là, ou c'est une personne, un père, un grand-père, qui communique avec vous et qui vous guide un petit peu vers un chemin un peu plus lumineux, vers plus d'abondance, d'accord? Depuis cet automne. Ou alors pour libérer des situations, hein, ou alors peut-être que c'est une personne qui n'est plus là, mais qui vous guide quand même, un grand-père ou un père ou un frère qui vous a quitté. Et il vous envoie les bons messages en fait, il vous envoie sur la bonne route, hein. Mais ça peut être tout autant une personne un peu plus âgée que vous, hein. Donc là, on nous parle de papier à faire pour le foyer, d'accord? On parle d'harmonie et d'équilibre. Ouais, pour un homme qui était un peu dans la nuit noire de l'âme, ou une personne qui a un côté masculin, qui passait un peu sa nuit noire de l'âme, mais on vous dit que rapidement. Rapidement, cette personne qui était un peu dans le sombre, hein, de sa vie, on retrouve de l'équilibre et une harmonie, hein. Donc, si vous étiez en souci par rapport à une personne qui passait un peu ce côté obscur, hein, dans sa vie, on vous dit, vous faites pas de souci, hein, il est en train gentiment, enfin, non pas gentiment, parce que il y a quelque chose, on va lui poser quelque chose sur son chemin ou dans sa vie qui va lui permettre de se réharmoniser et de s'équilibrer. Mais assez subitement, rapidement, hein, pour moi. Ok. Allez. Quelles sont les énergies amoureuses de ce lundi 31 mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour pour ce 31 mai 2021, s'il vous plaît? Là, elle m'agresse les cartes. Elle me saute dessus. Je pensais pas qu'une carte ça pouvait être agressif en fait. Elles ont sauté
sauter dans ma figure. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 31 mai 2021. Bon, elles veulent parler, elles sautent. Moi, j'aime bien qu'elles sautent. Pas dans ma figure, mais comme ça me plaît. Ensuite, on va s'est tombé. Allez, creux deux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce... Hop là. J'en ai une qui est tombée par terre. Voilà. On parle quand même qu'il y a possiblement des séparations à venir. Il y a des couples qui ont envie de se séparer. Il y a des personnes qui ont envie de se séparer là en ce moment. Hein. Pourquoi? Parce que de nouveau, elles s'écoutent et elles se rendent compte que peut-être la personne avec qui elles sont, c'est pas des personnes qui... qui peuvent leur apporter quelque chose de positif dans leur vie. C'est pas des personnes qui vont les tirer vers le haut, d'accord? Si vous êtes dans ces pensées de séparation pour ce printemps, hein, on parle d'un bélier, taureau, gémeaux ou pas, hein, mais on vous dit qu'après cette séparation, il y aura directement un nouveau départ, il y aura quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous serez écouté, d'accord? Peut-être parce que vous vous serez respecté si les personnes en face de vous ne vous respectent pas. Là, on parle d'une situation un peu froide, hein, un peu tendue. Il y a eu, pour ce couple, pour moi, c'est un couple, là. Hein. Il y a eu une situation, il y a eu une période très froide. Une période très froide qui vous a fait prendre de la distance entre vous deux. Et en même temps, on vous dit que c'était bon parce que ça a été une période de détachement. Vous avez pu laisser aller les choses. Parce qu'on vous dit vraiment que ce que vous vivez avec cette personne, c'est un amour véritable. Hein, c'est une affection et un amour inconditionnel que vous ressentez pour l'autre. Mais pour ce faire, il a fallu mettre un petit temps de froideur, un petit temps de distance entre vous et cette personne. Ici, on nous parle d'une situation superficielle, d'une relation qui était très superficielle, qui n'allait pas au fond des choses. Et on vous dit que sur cette situation-là, il y a un stop. Hein, on met un stop et on vous dit que c'est protégé, d'accord? Peut-être qu'il y a un stop justement pour que la personne prenne conscience du potentiel qu'il peut y avoir entre vous deux ou rien que de la personne que vous êtes dans cette vie et ce que vous pourriez vous apporter. C'est possible. Ici, on parle d'une réconciliation après un burn-out, donc après une grosse dispute avec une personne et on parle d'une guérison. Donc là, possiblement, pour les personnes qui se sont séparées ou qui ont eu une énorme dispute avec leur chérie, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Et pour ce fait, il y a une réconciliation, mais surtout, cette dispute a certainement réveillé des blessures en vous. Et du coup, ça vous permet de les guérir. Hein. Ici, on me parle d'une période de froideur ou alors on parle depuis l'hiver. Vous avez peut-être eu une relation un peu superficielle et je vois de la réconciliation. Donc, peut-être que vous avez tout arrêté avec cette personne, mais vous vous réconciliez. Bon, alors pas pour vous remettre ensemble, mais juste peut-être pour vous dire pardon. Et des fois, ça fait juste du bien. Ici, on a un stop avec une balance scorpion et sagittaire. Un temps de pause parce que là, vraiment, vous n'en pouvez plus et vous allez craquer. Donc, si vous êtes sur le point de craquer avec une personne, vous êtes en couple, mais vous êtes sur le point de craquer parce que vous n'en pouvez plus de son comportement, on vous dit de vous mettre en pause. Donc, prenez un peu de recul hein, sur cette situation. Et ici, on parle d'un couple qui est protégé et qui est en train de se guérir. Possiblement, vous avez rencontré quelqu'un. Pour moi, c'est pas dans le mois. Hein. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et on vous dit qu'ensemble, vous vous guérissez. Hein. Vous avez peut-être trouvé votre Doliprane pour certains. Pour ceux qui suivent les vidéos chaque jour et comprendront ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment... Il y a vraiment des personnes qui ont trouvé leur autre et ensemble, ils se guérissent. Ils se guérissent de leurs blessures. Ils sont dans la compréhension. Ils sont choux.
Quels sont les conseils? Ah, là, on nous dit tempête. Pour certains, il y a encore du tumulte. Hein. À l'abri, la prudence est conseillée. Demande, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Donc, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de signes, avant de regarder les vidéos ou demandez un signe à votre ange, à votre guide. Hein. Dites-lui, s'il te plaît, je vais regarder cette vidéo ou mets-moi sur la bonne vidéo ou envoie-moi les bons messages, j'en ai besoin. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi 31 mai 2021. Encore bonne fête à toutes les mamans si vous regardez cette vidéo dimanche. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.